Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Aujourd'hui, je suis partie du côté de Schweigou-sur-Modère et j'ai une petite collab à vous présenter. Du coup, je vous emmène chez moi et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà arrivés chez moi pour vous présenter un produit de la marque Ultenic. C'est le AC1 Elite. C'est un aspirateur laveur. Et vous savez que c'est pas la première fois que je vous présente des produits de cette marque parce que j'aime bien ce qu'ils font, tout simplement. Vous connaissez le principe des aspirateurs laveurs, hein. Ils ont une brosse juste là. Et ce qui est bien, c'est la particularité qu'on adore, c'est qu'on a l'eau propre à l'arrière et l'eau sale à l'avant. On a le goupillon qui est fourni avec. Et celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il est ultra léger en fait. Vraiment par rapport à d'autres que j'ai déjà pu essayer, qui étaient très bien aussi. Celui-là, il est beaucoup plus léger. En kit de démarrage, on a aussi une solution de nettoyage pour les sols qui est fournie avec. Alors, juste petite précision, un tout petit bouton suffit pour remplir le réservoir. C'est un réservoir qui est de grande capacité, je vais le sortir. Il est là. Donc, vous remplissez le réservoir et vous mettez un tout petit bouchon. Ça suffit. Bon, je l'ai retiré de son socle. Vous voyez, il est super léger. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a un écran qui est digital. Je vais l'allumer. Hop. Mise sous tension. Donc, ça, c'est un mode intelligent. Ce mode, il va détecter automatiquement les poussières et les taches au sol. Donc, il va gérer son intensité de manière complètement autonome. Donc, voilà, je l'ai mis en route. Donc, là, on est en mode Spark. Après, vous pouvez aussi le mettre en mode Max. Le mode Max, c'est mon mode préféré, clairement. Voilà, on tergiverse pas, on y va. Et le troisième mode, c'est pour aspirer l'eau si vous avez une flaque dans la salle de bain ou n'importe. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester directement. Ça sera plus parlant. Là, je suis en mode smart, ok? Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y va tout seul. J'ai pas besoin de forcer, en fait. Déjà qu'il est léger. En fait, il avance tout seul. J'ai juste à me laisser porter. Volontairement, j'ai pas nettoyé hein, chez moi pour vous montrer. Donc là, il part. Hop! Je le ramène. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite trace. Voilà, en une passe. Bon, j'ai fini mon nettoyage. Vous avez un filtre à l'avant et ça fait flipper quand on vide l'eau. On a l'impression qu'on lave jamais, alors que c'est pas le cas. Moi, je lave régulièrement. Voilà, on peut enlever le filtre avec les particules. Et ici, on a aussi un autre filtre, je vais vous montrer après. On a juste à l'ouvrir ici. Et vous pouvez le passer sous l'eau aussi, ça enlève toutes les poussières. Et on a en plus un de rechange. À partir d'aujourd'hui, sur Amazon, il y a un coupon de 50 euros de remise, plus 7% de réduction. Je vous mets le code tout en description. L'aspirateur AC1 Elite, il vous revient à un super prix. Merci à Ultenic pour leur confiance et je vous retrouve tout de suite chez Action. On est de retour chez Action. Comme d'hab, je vous mets toutes les informations en description. Et je vous propose qu'on découvre tout de suite les gobelets. Donc, c'est des gobelets en 30 centilitres de contenance, 34 plus exactement, tout en plastique. Ils sont à 2,50 €. Donc, rien à ajouter. Voici toutes les couleurs que vous pouvez trouver, les différentes. Je crois qu'il m'en manque une, là. Oui, il m'en manque une. C'est la verte que j'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Bah, rien de particulier, hein, c'est juste un bouchon à visser. 2,50 €. Et dernière précision, vous pouvez mettre aussi bien du froid que du chaud, puisque c'est de 0 degré à 70 degrés et ça passe au lave-vaisselle. Alors, par ici, ils nous ont fait une belle tête de gondole dans le thème du bambou. Alors, on a les lots par 3, ici, que je vous ai sans doute probablement déjà montré, j'en suis même sûre maintenant. Ils sont à 6 € les 3. Voici les dimensions, j'essaie de vous les montrer de plus près. Ce que j'aimais bien, moi, bon, c'est perso, hein, mais c'est qu'elles étaient fines par rapport à d'autres planches à découper qui sont souvent épaisses. Donc là, voilà, pour le rangement, je trouve c'est plus simple. Et on a également du stock sur ces tiroirs à café, donc à 10 €. Vous connaissez bien maintenant, vous avez différents visuels. On a les boissons chaudes, on en a un avec un liseré blanc ici, ou du tout noir. Donc pour la dimension, c'est 30 par 30, 10 cm de hauteur. Et dans le tiroir, c'est bien compartimenté, hein, on a 4 compartiments en tout. Est-ce que quelqu'un a un avis à donner à la communauté Joli Shopping pour ces pots, ces bacs de rangement tout en bambou? Est-ce que quelqu'un les a achetés? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Enfin voilà, moi ça m'intéresse. C'est 2,50 €, ils font 15 de hauteur et 11 de diamètre. Donc au tout début, on n'avait pas beaucoup de stock, maintenant ça y est, c'est reparti. Et pour finir avec le bambou, on a également ces plats à 3,50 €, 28 par 28, 10 cm de hauteur. Alors avant de voir la déco, tout ce qu'on a l'habitude de voir, je voulais faire un focus sur les peignoirs, parce qu'on ne les trouve pas partout. Ils sont à 13 €, c'est des peignoirs mix hein, pour hommes et pour femmes. Dispo de la taille S au XL, ils sont tout en coton bien évidemment.
Par ici, juste à côté, hein, en vrai, on a de la cire à chaussures avec éponge. Il y a du marron et du noir. Il y a pas de... Ah si, il y a peut-être du transparent aussi, regardez. Celui-là, il doit être ouais, neutre. Ça coûte 55 centimes. Apparemment, c'est rentré il n'y a pas longtemps. Donc, on a trois couleurs au total. C'est marrant parce que j'ai jamais vu ce produit. Peut-être que ça existe depuis longtemps. Hein. 55 centimes. Rayon salle de bain, c'est vrai que j'y vais quasi jamais parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. En revanche, là, ils ont remis ces tapis de bain doux à 9 euros. Ils font 1 mètre par 60. Bon, après, si vous avez un avis à donner sur celui-là, je suis preneuse. Moi, j'achète jamais ce genre de tapis. Je vous le dis toujours. C'est pas parce que je j'aime pas. C'est parce que pour l'entretien, j'ai un mauvais souvenir d'il y a quelques années où cette partie-là, en fait, elle se décomposait. Du coup, ça m'a traumatisée. Enfin, traumatisée, j'exagère un peu, hein. Pas, il m'en faut plus pour être traumatisée. Mais du coup, moi, j'ai opté depuis un moment que pour ce type de tapis de bain, tout en coton, éponge, en fait, la même matière que les serviettes, parce que je trouve que c'est plus facile à entretenir. Celui-là, il fait 50 par 80 et il est à 5,39. Moi, je l'avais acheté 3 euros, je crois, donc j'ai pas compris cette hausse de prix. Et vous voyez, donc c'est plus épais, je crois que c'est du 1000 grammes par centimètre carré. Par mètre carré, je crois. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. 5,40. On a également ici des sweats. Alors, je passe du coq à l'âne à chaque fois, mais en fait, dame, rayon dame est là, salle de bain est derrière moi. Les sweats Teddy à l'intérieur, ils sont à 10 euros du SEXL. Ça, c'est pour les dames. Et nous avons le retour des robes maille ou pull long, vous les mettez comme vous voulez, hein, du SEXL à 10 euros. Alors, j'ai du vert. Il y a du noir de dispo avec des manches légèrement bouffantes. Et vous avez une troisième couleur. Celle-ci, d'ailleurs, on voit mieux le motif là sur la blanche. 10 euros pour la compo. Je vais quand même vous la donner. Je crois que c'est du 100%, 69% acrylique et 21% polyester. Et on a des montres juste au-dessus à 8 euros qui sont comme ça. Alors là, vous choisissez couleur du cadran. On a également de la forme carrée en dessous, vous voyez. Autre chose encore à côté, bon, ça va être une spéciale mode. Là, je vais me dépêcher, promis. On a des petits porte-monnaies comme ça à 3 euros. Pardon, c'est plutôt en porte-carte et billets. Donc 3 euros. J'ai celui-là aussi à vous proposer. On a ce modèle qui se ferme comme ça. Il y a vraiment du choix là. Ça vient de rentrer. On a même du beige ici, aspect croco qui est très sympa. Et un petit dernier pour la route, un rouge. Ok, donc ça c'est 3 euros les jolis et je vais continuer, je sais pas du tout par où. C'est toujours très aléatoire, la preuve je me retrouve au rayon beauté et j'avais peu d'espoir sur le fait qu'il y ait des nouveaux parfums en cette fin d'année. Mais regardez, on a un Chantal Thomas et il est à 14 euros. Donc c'est une eau de parfum en 100 ml. Malheureusement, je n'ai pas de testeur pour ce produit. Chantal Thomas c'est une marque de lingerie, je crois bien, une vieille marque de lingerie qui coûtait une blinde. On peut se le dire. Donc on a ces deux packaging. Et si je les vois avec un testeur, je vous le ferai savoir. Ok. Donc ça vient de sortir. Celui-ci, je dirais qu'il est de retour, parce que je crois qu'on l'avait déjà vu à 10 euros. C'est le Agatha. Et ça me rajeunit pas tout ça, parce que les bijoux Agatha, je mettais ça, je crois, quand j'étais au lycée. Enfin, ça coûtait aussi. C'était quelque chose qui était assez onéreux à l'époque. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas tous ces magasins de bons plans. Donc on payait tout au prix fort. Mais on achetait moins, j'ai l'impression. 10 euros. Et alors c'est loin d'être nouveau, mais quand vous faites, enfin pour vous, ou pour faire un cadeau, un petit coffret, vous avez plein de petites mignonnettes. Là, ce sont des eaux de parfum Figenzy en 15 millilitres à mettre dans le sac, par exemple. Elles sont à 1 euro. On a les testeurs pour toutes. Je crois que c'est un retour de stock, ça. Hein, le gommage facial au marc de café à 2 euros. Il a eu un franc succès ce produit-là quand il... C'est vrai que je le vois plus, je le voyais plus, bah écoutez, il est de retour. Donc 2 euros le tube en 75 ml. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein, vous récupérez votre marc, vous mettez de l'huile d'olive, du sucre, une huile d'amande douce, ça fait à peu près pareil, ou de l'huile de coco. Et on a ces rouleaux de massage visage, métal argent à 4,50. Pour le reste, on a déjà vu. En revanche, vous voyez, il y a du stock hein, pour tout ce qui est cosmétique. Je vais aller voir peut-être la fin du rayon par ici, voir s'il y a une nouveauté en arrivage. Alors, je suis du côté de l'entretien. Ce matin, je me disais justement qu'il me fallait des petits accessoires.
comme des gants. Vraiment, c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de jamais utiliser de gants. Et ici, ils sont à 60 centimes. Je pense qu'il ne faut pas déconner avec les produits ménagers. Donc, il faut que je remédie à tout ça. On a une autre gamme, là. Pourquoi ils sont plus chers? Non, c'est pas ceux-là. Ça, c'est autre chose. Il y a des Vileda, normalement, à 1 euro. Sinon, c'est 60 centimes la paire. Hier, je vous montrais ces éponges savon. Il faut que je les achète. D'ailleurs, je ne les ai même pas prises. Donc, je vais les prendre. Elles sont à 1 euro les 10. Et elles viennent compléter cette gamme de tampons à 70 centimes en paille de fer. En spargo. Celles-là, apparemment, elles sont pas mal aussi pour gratter les dessous de poils, les choses comme ça. Là, on a des lots de torchons de luxe, 30 par 30, à 1,60€. Pour les couleurs, on a tout ça. Hein. On a du bleu, du noir et du gris. Pour les jolies qui utilisent des perles, alors on a celle-ci, je crois que c'est une nouvelle senteur. Parfum linge. Donc, c'est à mettre dans le fond du tambour, hein, une toute petite dose à 4,50€. Alors, je vais vous raconter un truc parce que je l'ai vécu. Il y a une dame qui parlait à un employé de un responsable de chez Action l'autre fois et qui disait avoir utilisé, je crois celle-là, c'est la même marque, en bleu. Et elle dit qu'apparemment elle a fait une allergie et qu'ils ont fait des tests et tout et qu'ils ont trouvé que ça venait de ça. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire l'allergie, mais voilà, faites quand même attention. Déjà comme ça, je trouve que c'est même les adoucissants et tout ça, des fois quand on en met trop, moi je sais que ça m'irrite la peau, mais pas au point de faire une allergie, hein. Bon, je voulais juste vous le raconter, vous en faites ce que vous voulez. Les adoucissants en silane, ils sont à 3 euros les 880 ml pour 40 lavages. Et c'est tout pour ce rayon-là. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous proposer. Hein. Il y a des Homo en capsule. Alors, je sais pas si le prix vaut le coup parce que c'est 10 euros les 42 pièces. Je connais pas bien les prix pour ce genre de produit parce que c'est pour trahir aucun secret. C'est mon mari qui gère l'achat de ce genre de produit, en fait il check un peu les promos à droite à gauche et après il fait des stocks, donc j'ai pas comme ça en tête le prix du pods. Rayon alimentation, hier je vous montrais ces chips avant-hier, donc on a sel de mer et on a sel poivre à 1,39 les 100 grammes, c'est cuit à la main, voilà la particularité de cette chips, à goûter. Et je crois qu'on a fait le tour, les jolies, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker tout simplement. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et on se retrouve demain sans faute. Prenez soin de vous surtout, bye.